on a quitté Ulysses samedi en début d'après-midi pour traverser le bouchon de glace assez dense qu'il y avait devant le port. On a fait la première station courte dimanche devant ce glacier. Donc c'était une mise en jambe pour les nouveaux arrivants et une routine pour ceux qui sont à bord depuis longtemps. Et maintenant, on fait route après une nuit sous aurore boréale, là, ce lundi. On longe les côtes du Groenland dans des conditions exceptionnelles. Pas de vent, c'est dommage pour la voile, bon, par contre c'est plus confort. Et on se dirige vers la prochaine station qu'on fera après-demain. On l'a fait assez rapidement et on essaye de descendre assez vite parce qu'en fait il y a une grosse dépression assez creuse qui monte vers nous, qui se situe dans le sud du Groenland et entre Terre-Neuve. Et donc il y a à peu près 40 nœuds, 50 nœuds d'annoncés, ce qui fait que la station est impossible. Donc du coup on va essayer de la faire après-demain et ensuite aller se cacher dans un fjord près de Nuuk, la capitale. Et ce soir, donc une petite symbolique pour Tara. On sortira donc de l'Arctique. Hein. On passera le 66-33 nord à l'heure du repas, je crois. Le cercle polaire. Et le cercle polaire, donc. Et on y est rentré il y a 5 mois au mois de juin et on sort ce soir. Donc ça n'est pas la fin de l'expédition, mais on s'en approche. Les derniers prélèvements et la sortie de Tara de l'Arctique.